Bonjour à tous, je suis Radhika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. C'est parti pour une vidéo à action de Créteil. Les coussins décoratifs en velours, peau de pêche. 5,95€. Alors la dernière fois j'ai vu qu'il y avait trois motifs différents. Donc il y a celui-là en blanc. Il y a celui-là. Alors c'est pas des coussins d'extérieur parce que très souvent quand on a ce genre de motif, c'est plutôt des coussins d'extérieur, mais là c'est vraiment d'intérieur. Et voilà, il y a le noir. Donc 5,95, ils font 45 par 45. 4,95, ceux-là, il y a rose, taupe. Et gris avec le bouton au milieu, et on a eu l'arrivage de cela, donc toujours rond, mais il n'y a pas de bouton, il y a juste une couture. Alors on avait déjà eu ce modèle, mais là c'est trois nouvelles couleurs. On a du vert, du moutarde et du blanc crème. Alors ceux que je vous ai présenté auparavant, donc ils sont un peu plus hauts. Après ça dépend ce qu'on cherche. Ça dépend comment on va les disposer. On peut les disposer évidemment sur un canapé, mais on peut aussi faire une jolie déco au niveau du lit. Les guirlandes lierre. Alors c'est ça. Alors ça c'est très joli sur, vous savez, les... comment on appelle ça, ce qu'on va mettre au-dessus de la table, qui était en promo. Tiens, je vais regarder si on en a encore. Je ne sais pas si on en a encore, mais vous voyez, c'est une... une sorte de U comme ça qu'on va mettre au-dessus de la table et on pourra comme ça décorer. Ben on peut mettre ça autour. Donc c'est une guirlande. Bon, j'ai pas été voir, mais j'ai été voir, mais il n'y en a plus dans le rayon de la semaine. Les vases. Alors ceux-là, ils sont légèrement colorés. Légèrement teintés. Bon, après c'est vrai qu'il reste que les transparents, mais là, on est plus dans la couleur. En plus ceux-là, ils ont été en gris, en marron. Tiens, le retour de ces plateaux, alors qu'on a régulièrement dans l'année. Il n'y a pas très longtemps, on a eu le noir. Donc il y a deux motifs, il y a ça et ça. Et puis après, on les a en argenté. Les décos métal. Donc elles sont à 9,95€. Alors on les a de cette couleur. Après on les met en fait dans le sens qu'on veut. On peut les mettre en hauteur, mais on peut les mettre aussi de ce sens-là. Donc paysage ou mode portrait. Et normalement il existe aussi avec une petite teinte vert bleu. Mais là il reste que cela. Les petites assiettes, 42 centimes. Donc on peut soit servir des petits gâteaux, on peut mettre des petits chocolats, on peut mettre... un petit peu ce qu'on veut, soit peut-être en sous-tasse, tiens. Mais ces assiettes, hein, les petites assiettes tendantes, donc elles existent en vert, en rose et en bleu. Et en parlant de petites assiettes, on a une petite nouveauté qui va venir compléter la gamme L. Donc c'est des petits plats à four, ils sont à 1,39€. Donc on a ça, on a ça, on a celui-là et celui-là. Ça peut être sympa aussi à compléter avec ça, un petit plateau, un petit mug de café. Puis là, on peut mettre un petit gâteau, par exemple, pour présenter. Donc la gamme L, hein, c'est des petites assiettes, des coupelles. Donc, je vous ai montré les mugs à café. Alors ce qui est sympa, c'est d'avoir les quatre modèles. Parce qu'au début, j'en voulais, puis je voulais prendre les quatre pareils. Mais en fait, pas du tout. J'ai fini par prendre les différents modèles. Alors dans les grandes assiettes, ce qui est sympa, c'est que j'ai vu dans un partage où une personne l'avait utilisé comme plateau, petit plateau, parce que le bord il est assez haut. Ces tasses aussi, elles sont sympas, en plus elles sont empilables. Alors il y a deux styles qu'on peut marier, hein. On peut prendre ces deux-là ensemble, je trouve que ça va bien, et ces deux-là ensemble. Après on peut prendre les quatre, ou que quatre comme ça, ou deux comme ça, mais c'est vrai que quand on mélange les motifs et les couleurs, en fait ça choque pas. Alors il y a quelques temps aussi, il fallait avoir les tasses, les mugs de la même couleur, mais là non, quand on mélange bien, au contraire c'est sympa.
Les plats décoration feuilles, alors ils sont au rayon jardinage. 2,49€, on a gris ou du vert. Alors, ils appellent ça table d'appoint avec rangement. 15,95€. Moi j'en ai pris un. Alors en général, c'est des articles qu'on trouve plutôt dans les magasins un peu de bricolage, jardinage. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Moi j'ai mis les chaussures parce que je voulais un endroit pour mettre dedans les chaussures d'extérieur. Et j'utilise comme ça, puis ça peut servir aussi de table d'appoint voilà, quand on n'a pas de place sur la table ou quand on vit, voilà, on met ça entre deux chaises, deux transats pour prendre ton petit café. Alors c'est assez petit, hein, puisque ça fait, je crois, 37. Alors, par contre, le couvercle, il s'enlève, il se rabat pas. Enfin, il s'enlève et il se remet. Côté chaussures, rénovateur de basket, 99 centimes. Alors, il y a 2-3 ans, ils avaient sorti un produit comme ça pour les chaussures. C'était magique. Moi, j'aime bien porter ma petite paire de tennis blanche parfois. Mais bon, parfois, c'est un peu, ça jaunit, etc. Et en fait, avec le produit, j'ai réussi à ravoir ma paire de chaussures. Elle était nickel. Bon, là, elle a repris un petit coup de vieux. Et je ne sais pas ce que ça pourrait donner, ça, puisque c'est blanc. En fait, moi, je ne cherche pas quelque chose pour teindre la basket, mais plutôt voilà, pour lui redonner un coup de neuf. Ventilateur de voiture avec pince, cordon de 3 mètres, 4,95€. Peut-être à l'arrière, parce que j'ai envie de dire maintenant, il y a une grosse majorité de voitures où il y a un bon système d'aération ou une petite clim, qu'elle soit automatique ou manuelle. Mais des fois à l'arrière, c'est pas trop ça. Et donc voilà, mais bon, après, il faut avoir de l'air frais parce que quand on brasse de l'air chaud, en fait, on a de l'air chaud. Je sais pas ce que ça peut donner. Et puis ça tient avec une petite pince. Les chaussures qu'on a saigne-pieds, 6,99€. On a ceux-là. Et je vous fais mannequin de pied aujourd'hui. Donc on a celle-là, et celle-là. Alors à l'essayage, je trouve que celle-ci et celle-ci sont plus confortables que celle-ci. Donc celles-ci sont à 6,99€ et celle-ci 5,99€. J'ai oublié, il y a aussi celle-ci et celle-ci. Donc bah, finalement, il y a plus de modèles qu'on pourrait le penser. Après, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a trop de choix, après je ne sais plus quoi choisir, donc je ne prends pas tout de suite, je réfléchis et je reviens. Des fois, il n'y a plus le modèle. Les maillots de bain, une pièce, 8,99€. Ils sont pas mal, hein. J'en ai pris un il y a quelques années, noir, pour aller à la piscine. Et bah, il tient bien. On a aussi des deux pièces. Alors les deux pièces, ils ont tendance à bien tailler. Peut-être certains modèles légèrement un peu plus grands. Après les maillots de bain, on va choisir aussi selon le haut. Est-ce qu'on veut des baleines, pas de baleines, rembourrées, pas de rembourrage. Mais ils ont vraiment tous les styles. Enfin, ils ont pas beaucoup de modèles, mais c'est ça qui est bien chez Action. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, mais il y a tous les modèles. Il y en a pour tous. Short de bain pour homme, 4,99€. Ils sont pas mal, hein? Voilà. Et donc, du coup, il y en a un qui est ouvert avec les ananas. 4,99€ pour les enfants. Voilà, aussi. Alors ça c'est pour les plus grandes et on a le maillot de bain pour garçons. Et je vois qu'il y a une nouveauté, du moins j'avais pas fait attention, c'est les maillots de bain une pièce pour les filles. 4,99€ au niveau des tailles, on a du 2 ans jusqu'au 8-10 ans. On a celui-là, c'est les licornes je crois.
Oh, il y a une petite licorne. Non, c'est un chat. Ouais, c'est un chat licorne. Et celui-là. On a vraiment pour tous les âges. Hein. Les chapeaux Panama 3,49. On a ceux-là et on a ceux-là aussi. 2,49. Et pour les enfants, 1,99€. Alors d'habitude, il y a beaucoup plus de choix, mais je pense qu'avec le soleil qu'on a ces derniers temps, c'est des articles qui sont bien demandés. Pour les tout-petits, vraiment les petits, pensez à leur mettre des sortes d'élastiques. Comme ça, s'ils perdent le chapeau, bah, du coup, il va aller derrière, mais vous n'allez pas le perdre. Avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai pu perdre comme chapeau, casquette, chaussures. M'arrivait, petite anecdote, j'ai acheté une paire de chaussures à ma fille. Il y a très longtemps, hein, la plus grande, et donc je la mets directement en sortant du magasin. Donc je fais un petit tour, il y avait un marché à côté, et je rentre dans la voiture, donc je la prends, elle était petite, elle était encore en poussette. Et arrivée dans la voiture, je m'aperçois qu'elle avait perdu une chaussure, j'étais dégoûtée. Bon, après les chaussures, on ne peut rien faire, hein, on ne peut pas les attacher, mais c'est vrai que depuis, je mets des élastiques. C'est pour ça que je vous partage des petites astuces, alors c'est des astuces que vous connaissez peut-être, mais je me dis, la jeune maman qui est un petit peu comme moi, qui, bon, j'aurais bien voulu, voilà, au début, qu'on me donne des petites astuces comme ça. Les masques pour les mains, j'en ai pris un, mais je ne l'ai pas encore testé. 1,49€. Donc, formule vegan. Je reviens aux petites astuces, c'est comme les astuces pour les tétines. Donc, si vous donnez la tétine, vous allez. En fait, on ne peut pas savoir si les enfants vont demander la tétine ou pas. Mais achetez-en plusieurs. Parce que quand on perd une tétine, après pour retrouver la même, des fois c'est pas évident, et pensez à les attacher. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté un doudou, c'était une petite tête de peluche avec une sorte de grand tissu, et j'avais attaché la tétine dessus, comme ça quand je la cherchais, je la trouvais directement. Bon, c'est des petites astuces que je vous redonnerai si je vous fais une vidéo spéciale bébé. Les limes pour les pieds, 1,49€, donc elles sont en deux couleurs, mais elles auront le même effet. Hein. Le Sanex semaine, 1,49€. Pareil, chez les hommes, on a pas mal de choix aussi au niveau des gels douche ou du gel rasage. Allez, on termine par ces sucettes sifflettes, sucettes torsadées. Non, c'est pas torsadé. Sucettes choupa choups. Alors, je ne sais plus le prix du coup. Mais c'est rigolo, les enfants, ils aiment bien parce que ça fait aussi sifflet. Alors ça fait partie aussi des bonbons de mon enfance. Je ne sais pas si vous avez connu ou pas. Ça avec les petits bonbons là en forme de rouge à lèvres. Voilà, plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.